Bonjour à tous, voilà c'est parti pour une nouvelle session de marche, la direction Arpajon. Ça fera moins que Melun, mais c'est toujours 50 km. Hein. Donc voilà, du coup c'est parti quoi. Avec le temps ça va, il est calme, il n'y a pas de pluie pour l'instant. Donc tout va bien, à toutes. Ça y est, je suis à Porte-Maillot, sur Paris, je suis arrivé après 12 et quelques kilomètres là. Donc voilà, je suis sur... il fait un petit peu chaud là, il faut que je marche un peu vite. Du coup, tout se passe bien, j'ai pas comme la dernière fois là avec la pluie, j'ai vraiment mal aux jambes. Là non, c'est impeccable. Là je poursuis mon ascension en direction d'Arpajon. Il reste plus qu'une cinquantaine, une quarantaine de kilomètres. Voilà. Ça y est, je viens de quitter Paris là, en direction d'Arpajon. J'avance, ça va, il pleut pas trop. Donc c'est parfait, je continue. Les jambes impeccables, tout impeccable. Là c'est super, là c'est comme un petit nuage là. Allez, à toutes. Ça y est, après 30 km parcourus, je suis à Chilly-Mazarin. Voilà, tout doucement, ça avance. Je fais vite fait une petite pause là, pause syndicale, pause toilette quoi. Donc du coup, bah, je continue mon ascension tranquillement. Là, ça va, il ne pleut pas beaucoup. Donc c'est impeccable. Du coup, voilà. Donc là, l'important aussi, c'est de faire quelques petites pauses quand même. Bon, 50 km, enfin, ceux qui marchent pas mal, ils n'ont pas besoin de pause, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est conseillé de quand même faire des petites pauses et s'hydrater. S'hydrater surtout, c'est important, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Donc du coup, voilà, bah, c'est parti. Hein. Un pied devant, un pas devant l'autre. Donc, c'est impeccable. J'espère qu'il ne va pas continuer à pleuvoir fort. Faut vraiment qu'il pleut pas là pour le coup. S'il me reste encore pas mal, mais en plus j'ai plus d'arbres. Là ça va être que de la route à côté de la Nationale 20. Aïe aïe aïe, aïe caramba. Voir ce que ça donne. Ça y est, à Leuville-sur-Orge, là il reste plus que quelques kilomètres avant que j'arrive à Arpajon. Voilà, ça tire un peu les pieds, mais sinon rien de grave, donc ça va. Là je suis mon cours là,
Donc ouais, plus que 8 km, tranquillou, doucement. Et puis bon, moi je vais bientôt arriver. Ouh, là, je prends un peu mon souffle parce que ça monte. Surtout là ici, ce parcours-là, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est vraiment sportif là pour le coup. Donc voilà. Donc après, dernière étape, la gare d'Arpajon. Ici c'est très calme, aucun bruit. Ça fait du bien parce que j'ai bouffé de la nationale 20 là. Et j'avoue, le calme là, ça repose un peu, pas de bruit. Non, franchement là, c'est la partie que je kiffe bien. Pas de bruit, pas de voiture, rien. Pas d'odeur de carburant. Là, juste le silence, le calme, le vent, les fumées de cheminée. Ça, c'est impeccable. Ça, franchement, ça, c'est relaxant, quoi. Ça y est, Arpajon. Là, c'est fini. Les détentes, parce que mes jambes tirent un peu. Donc voilà, je suis arrivé à Arpajon après 51 km. Ça fait du bien, le frais surtout là. Ouh, j'ai un petit peu soif, là je vais prendre à boire aussi. Mais là, pas mal. Donc la prochaine, j'espère faire plus loin. Comme ça, pousser les limites quoi. En tout cas, là je vais rentrer, m'étirer un peu. Se ressourcer, c'est important ça. Boire, s'hydrater, tout ça. C'est vraiment important. Voilà.